Les potes, c'est Jeu Gaming. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, les gars, ça va nickel. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les potes. Une vidéo, du coup, sur la saison 8 de Fortnite. Donc, qu'est-ce qu'on veut, du coup, je vais vous montrer, du coup, dans cette saison. Hop, on passe directement en capture de jeu et on arrive, du coup, directement dans le nouveau lobby. Avant que ça continue, les gars, n'hésitez pas à partager, liker cette vidéo. Ça ferait ultra plaisir. Avant que n'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche des notifications si vous n'êtes pas déjà abonné, ça me ferait énormément plaisir. Et n'oubliez pas, si vous achetez le pass de combat de cette saison, à me rentrer le petit code créateur JGaming dans la boutique, ça ferait ultra plaisir. Du coup moi les gars, on va commencer directement, je vais vous envoyer le trailer du coup de du pass de combat et je reviens tout de suite. Vous auriez dû prévoir notre retour. Parce qu'au lieu de sauver votre petite réalité, vous nous l'avez servi sur un plateau. Allez-y, rassemblez ce qu'il reste de votre armée. Préparez vos défenses. Et lorsque nous en aurons terminé, il ne restera que le néant. Voilà les gars, du coup, le trailer du coup du pass de combat. Si vous voulez retrouver le trailer de la saison 8 et du pass de combat, c'est sur la chaîne les gars, donc n'hésitez pas. Donc qu'est-ce qu'on a aussi? On a du coup le pass de combat que bien sûr j'ai pris. Bon c'est avec le pass du club, mais vous pouvez l'acheter avec le code créateur JGaming les gars, ça ferait plaisir. Donc vous avez tout ça, tous les skins etc. Je vais pas vous en montrer plus, si vous voulez aller voir vous-même vous pouvez. Ce qu'on a de nouveau du coup dans cette saison, je vais vous parler un peu de toutes les nouveautés qu'on a dans cette saison assez rapidement. Du coup, vous avez des bocaux de couleurs. Donc, où trouver ces bocaux de couleurs? C'est marqué, trouver des bocaux de couleurs d'écarlate, chevaleresque, au Fort La Crêpe. Donc, Fort La Crêpe, c'est un endroit. Vous avez bocaux magenta, labo Y, amistimido. En fait, chaque bocaux de couleurs a un endroit spécial. Vous voyez, là, ce Slut Key Swamp, au Mont F8. Voilà, vous avez des bocaux un peu partout cachés sur la map. À vous de les retrouver. Vous avez après du coup colorier votre Posky Cartoon style de personnage. Donc là vous pouvez le colorier vous même. Et là c'est style de personnage, par exemple chevaleresque. Il a déjà le truc chevaleresque. Là pareil, le Midas il est déjà aussi. Donc faut trouver le bocaux, puis après du coup le transformer. Après
Vous pouvez du coup colorier votre poids Sky comme vous voulez. Mais pour le moment, ça s'est pas encore débloqué. Ça arrivera dans 17 jours. Mais pour le moment, il faut trouver un bocal pour pouvoir débloquer. Et après, acheter avec de la peinture pour pouvoir le mettre comme vous avez envie de le mettre. Du coup, ça, c'est pour ça. On a du coup le skin secret qui arrivera du coup dans 45 jours. Et on a pas mal de nouveautés sur la map. On va directement lancer une game. Je vais mettre une clé de partie personnalisée pour pas être trop dérangé du coup dans les games. N'hésitez pas à me dire si vous préférez les vidéos avec la cam ou sans la cam. Alors désolé si je regarde pas trop la cam les gars, c'est que j'ai pas trop l'habitude. Donc voilà, on fait comme on peut. Donc là, je vais lancer une game et pendant ce temps, dans cette game, on va parler des nouveautés qui sont arrivées sur cette map, les nouvelles armes, etc. Donc, ok, ça lance direct. Ah, c'est nouveau maintenant, ça lance direct. Donc, vous avez du coup vos défis, quêtes et cartes à remplir. Donc, vous avez des quêtes avec des amis et ou sans amis. Obtenez une quête auprès des personnages ou invitez des amis pour avoir plus de quêtes. Donc là, voilà, vous avez des quêtes normales. Là, vous avez la carte. Donc, sur la carte, qu'est-ce qui a changé? Vous avez des endroits où il y a des failles. Donc là où il y a des failles, c'est là où il y a des nouveaux zombies qui vont apparaître. Et vous avez des endroits à zone chaude. Donc zone chaude, ça veut dire quoi les gars? Ça veut dire que vous avez du loot spécial. Vous voyez, ça fait un petit dôme. Ça fait un petit dôme du coup sur la carte. Les zones du coup orangées comme ça, ici, ici et ici, c'est là du coup où il y a eu des sites de crash. Où vous avez du coup des petits cubes à manger. Et des genres d'air. Comme on avait en saison 9 avec Neo Tilted, je sais pas si vous vous rappelez. Ici, vous avez au fort la crêpe qui est juste là. Vous avez du coup le cube bleu avec des champignons, etc. qui sont atterris. Et normalement, si j'ai bien compris, ils vont bouger. Et ici, vers Holy Edge, du coup, vous avez un cube en or que lui aussi, du coup, va bouger pendant la saison. Donc, voilà les petites infos par rapport au cube. Et tous les endroits, il y a des cubes, etc. Vous avez des cubes violets avec des petites pierres violettes à manger, etc. Là, vous avez du coup le vaisseau qui est crashé en mer. Vous avez du coup dans les collections 17 personnages à trouver. Donc ça les gars, je vous en ferai une vidéo qui sortira demain matin. Et pareil du coup pour les poissons. La vidéo sortira aussi demain matin les gars. J'essaierai de vous les sortir au plus vite pour pas que vous galériez. On va aller du coup se loot vite fait ici. Et du coup je vais vous montrer à peu près. On va aller dans la zone chaude qui est juste à côté. Pour ça j'ai atterri ici. Pour vous montrer du coup qu'est-ce que c'est la zone chaude, etc. Pour info, pour ceux qui veulent savoir, les tactiques ont été enlevées, ont été remplacées par les pompes à levier. Les chasseurs et l'espace 12, ils sont encore. Et vous pouvez craft du coup des... comment ça s'appelle? Des pompes à charge avec du coup des pompes et un boulon. Voilà. Vous pouvez pompe... Là on va voir si on a un boulon, vous voyez. Là on a un boulon. Et si je veux, je peux craft du coup un pompe à charge. Voilà. Donc le pompe à charge est revenu et on peut craft. Vous avez du coup des snipers. Du coup, vous avez des snipers auto. Je sais pas si. Pour moi, je trouvais que des snipers auto. J'ai pas trouvé de sniper normal. Mais voilà. Pour le moment, on a du coup ces nouvelles armes. On a toujours les pads, etc. On a un peu plus de réanimation, on dirait. J'ai remarqué. Et du coup, quand vous ouvrez des coffres, vous avez du coup des gouttelettes. Les gouttelettes, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet du coup de payer après du coup les styles que vous voulez débrouiller pour du coup le skin Poids Sky. Ce qu'il y a de nouveau aussi sur cette saison, c'est des genres de distributeurs. Voilà, tableau de dons, tourelle. Donc pour le moment, c'est la tourelle qui est du coup dans le tableau de dons. Donc il faut faire insert. Moi, c'est ma touche pour activer, donc comme si vous les ramassez. Et là, voilà, c'est marqué Mounted Tured. Donc contribuer à l'effort global. Donc vous le donnez, par exemple, il faut le donner un minimum de 50 lingots pour pouvoir avancer la barre de la tourelle. Pour le moment, on est à 0,01% financé. Et une fois que ça sera à 100%, la tourelle reviendra du coup sur le jeu. Vous avez aussi des animaux, c'est des corbeaux. Donc là, vous voyez, là, voilà. Il y en a un qui est passé juste devant moi, du coup, juste ici. Quand vous leur tirez dessus, ils vous donnent de viande. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet et on va rentrer du coup dans la zone chaude. Et je vais vous montrer du coup à quoi ressemble la zone chaude. Donc vous voyez, là, il y a un zombie de feu. Dessus, là il y a un zombie normal, hop. Donc voilà, donc ça fait un peu comme les zombies. Ils vous donnent trucs pour craft. Donc ils m'en ont donné 5. Donc je sais pas qu'est-ce qu'on peut craft avec ça. Objet de fabrication. On va voir là si on peut craft quelque chose. Non et non. Donc ça doit être avec des trucs spéciaux. Mais c'est un objet fragment de monstre de cube. Objet de fabrication. Donc ça doit être pour
faire des choses. Vous avez aussi du coup les retours des geysers du coup dans ce genre de truc. Donc voilà, vous pouvez prendre les geysers. Et les zombies vous donnent du shield comme à l'habitude. Vous vous rappelez, les zombies nous donnaient du shield. Et là vous pouvez du coup avoir aussi du shield. Vous avez des petits zombies et des gros zombies. Voilà, il y a des zombies qui sont différents et qui sont pas les mêmes. Vous voyez, là il y a des zombies normales et des zombies de lave. Et vous avez des coffres à zombies aussi. On va en ouvrir un, vous voyez là il y a un gros truc à zombies. Et hop, vous avez des coffres spéciales. Donc là vous voyez, j'ai AR bleu et une nouvelle AR. Ça c'est un zombie poison. Okay. On va prendre du coup le fusil de détour sans trop mourir. Voilà. Et du coup je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà, le fusil de détour c'est ça. Vous pouvez tirer à l'infini avec. Mais au bout d'un moment ça surchauffe. Un peu comme le minigun, au bout d'un moment l'arme elle surchauffe. Donc là c'est un spawn de zombies à infini. Vous allez avoir des zombies à l'infini qui vont spawner ici. Voilà. Si vous voulez vous doute un peu, vous pouvez y aller, mais après n'y restez pas trop longtemps du coup après. Donc on va essayer d'ouvrir ce coffre si on peut avoir une nouvelle arme encore. Non, on n'a pas eu une nouvelle arme. Voilà, là vous voyez, il commence à avoir beaucoup de zombies, donc vous pouvez vite mourir par les zombies après. Voilà, alors là, hop, on a réussi à avoir le minigun avant de mourir. Donc là on va l'utiliser. Regardez le minigun, 25 de dégâts dans la tête, maintenant encore. Et hop, après du coup, comme d'habitude, il est en surcharge. Voilà, donc les zombies vous donnent pas de vie, mais ils vous donnent du coup du shield. Donc voilà un peu les zones chaudes du coup, qu'est-ce que c'est. Bien sûr les zombies du coup respawn à l'infini. Le but les gars, vous y allez, vous montez, vous prenez les gros coffres et vous partez. Voilà, c'est un peu le but du coup de je pense qu'ils veulent faire. Et après du coup là où il y a les failles. Là vous voyez les failles elles se déplacent. C'est un peu comme une zone comme ça mais avec des niveaux. Là c'est pas pareil, vous avez des petits, des gros zombies. Et vous avez après une boss du coup à tuer. Et je pense que ça vous donne un méga loot légendaire ou des trucs comme ça. Ou des armes mythiques. J'ai pas encore réussi à tuer un boss, on est allé première game. J'étais allé première game pour voir tester. Non mais voilà, j'ai pas trouvé de trucs. Et pour les poissons, les vidéos sortiront, les PNJ pareil. Donc voilà, donc vous inquiétez pas si vous trouvez pas tous les poissons, je vous en ferai une vidéo. Donc voilà un peu toutes les nouveautés du coup qu'on a dans cette saison. Donc je vais retourner vite fait au salon pour vous montrer des petits changements par rapport du coup au défi. Parce que du coup quand vous êtes en game, vous voyez pas les trucs par rapport au défi. Donc, je vais vous montrer vite fait. Donc là ça charge tranquillement. Il y aura une vidéo aussi les gars dès que je débloquerai le planeur du top 1 pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc voir les quêtes, du coup voilà, carte à remplir quotidienne. Donc ça c'est des défis du coup quotidiens, du coup à faire tous les jours. Ça c'est des défis du coup hebdomadaires, donc des défis de semaine. Et vous, après vous avez du coup des défis par rapport à Genesi. Voilà, là ça marque du coup parler à Genesi plongeur et accomplir la série des quêtes menu terre et mer. Donc 12 000, 14 000, 16 000, 18 000 et 20 000. Donc il va nous donner des défis à remplir pour pouvoir du coup avancer dans les quêtes. Vous voyez que corps j'ai bien avancé. Donc le but c'est du coup il faut parler à Kor, donc il faut la trouver. Du coup là vous pouvez l'épingler sur la carte et ça vous dit du coup où elle se trouve. Mais je vous en dirai plus de là où ils se trouvent les personnages grâce à la collection du coup des personnages. Donc voilà un peu du coup les défis par rapport au PNJ. Vous avez 12 000, voilà, vous avez pas mal d'XP à débloquer. Vous avez des défis normaux et du coup défis quotidiens. Voilà, vous avez un peu du coup tout ça. La carte, voilà un peu les changements. Donc on a eu ici changement là, là, là et là. On n'a pas eu de gros changement après. On a du coup un cube extraterrestre qui s'est posé sur cette maison. Voilà, voilà un peu tous les changements. Donc n'hésitez pas les gars à me dire qu'est-ce que vous pensez de cette saison. Si vous avez testé les armes, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du coup des nouvelles armes. Et si vous avez testé la map, si vous avez fait top 1, etc. Dites-moi tout votre avis dans les commentaires. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Stage Gaming. Bye bye.